Jacques Kiaboulakatoué, accompagné de quelques membres de son gouvernement, a constaté que la quasi-totalité de l'aire de jeu achevée est contournée par une piste d'athlétisme. Les pourtours et les tribunes ont déjà reçu leur siège et le premier marquoir informatisé est déjà fixé. Les vestiaires et installations sanitaires sont déjà prêtes pendant que la dernière touche est mise sur la salle des conférences. Pour le chef de l'exécutif provincial, sa population mérite un stade digne de ce nom. Le mois de janvier, sûrement, nous allons commencer des travaux pour couvrir le stade. Et donc, c'est petit à petit. Mais sinon, nous sommes en train d'aspirer à ce type d'organisation qu'on a vu hier. Et nous croyons que la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de talent, surtout sur le plan sportif. Et donc, avec cela, et si nous, en tant que dirigeants, nous pouvons assurer un bon encadrement de notre jeunesse, et on espère que le pays pourra produire des Mbappé et des Messi, pourquoi pas.